Bonsoir et bienvenue dans votre émission À vous la parole. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance de la prière d'ensemble dans la vie du croyant et de l'Église. Avez-vous une expérience dans ce domaine? À vous la parole. Je suis Koulibaly Juliette, la sœur Koulibaly Juliette. Et pour moi, la prière d'ensemble est d'une grande importance. La prière du jeudi en assemblée nous permet de nous rassembler et puis elle permet de communier, d'élever ensemble les sujets de prière pour un exaucement en tout cas plus rapide. Et également la prière, lorsqu'on parle de la prière au niveau des veillées, est d'une grande importance également parce qu'elle nous permet de découvrir plusieurs choses, des révélations. Et puis, elle permet de grandir notre foi en Christ. Donc, c'est ce que je peux dire sur la prière d'ensemble. Merci bien. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Tibé Deborah. Et je voulais dire merci au Seigneur qui m'a exaucé durant le renversement de principauté 2021. Gloire à Dieu. Il faut dire que quand je partais pendant la croisade, j'avais pas, en tout cas, l'idée qu'il allait revenir étant délivré. Et le Seigneur m'a délivré pendant cette croisade-là. Et en 2022, le Seigneur m'a fait la grâce d'être fiancée. Et le Seigneur m'a fait la grâce de me marier en 2023. Et ça s'est passé pendant le jeûne de la croisade de 2021. J'ai été délivrée du célibat pendant le jeûne. Gloire à Dieu. Et j'explique. Il y avait le 21e jour du jeûne, je me sentais très faible. Il faut dire que je n'ai pas même, parce que je jeûnais un jour, le deuxième jour, je n'ai pas. Je jeûnais un jour, le deuxième jour, je n'ai pas. Mais le Seigneur avait voulu me délivrer, gloire à Dieu. Et je me suis sentie très faible. Et je suis allée au dortoir. Et je me suis tendue. Quand j'étais couchée, il y a deux vieilles femmes nues qui sont quittées en moi, gloire à Dieu. Elles ne dormaient pas. Je les voyais. Elles faisaient les bagages. On s'en va. Ici, il y a trop de feu. On s'en va. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a délivrée. Et depuis lors, le Seigneur a permis qu'on me voie, gloire à Dieu, qu'elle soit fiancée en 2022. Et en 2023, le 15 avril, le Seigneur m'a fait la grâce de me marier. Donc, la prière avec les frères en équipe, le Seigneur exauce cela rapidement. Je suis le pasteur Kwasi Kanjonas de la zone de Kumasi. Cela est vraiment important parce que le Seigneur, même Jésus, me l'a recommandé. C'est une loi divine. Que si deux personnes t'accordent pour demander une chose quelconque, il leur sera accordé. Et en obéissant à cette recommandation du Seigneur, il est vraiment primordial pour une œuvre telle que la nôtre de prier ensemble, soit en assemblée, soit en église locale ou dans l'œuvre à travers le monde. Le Seigneur peut nous accorder certaines choses au travers ces gens de rencontres, de prières. Une seule personne peut demander une chose au Seigneur, ça peut tarder. Mais comme le Seigneur nous-mêmes nous ouvre une grande porte par rapport à certains besoins cruciaux, il nous demande de prier ensemble. Et donc une croisade comme ce que nous sommes en train d'organiser, l'Église est en train d'organiser actuellement, est vraiment importante. Et chaque frère doit se disposer à participer. Parce que le Seigneur attend de nous cela pour pouvoir nous donner ce qu'il a promis. Par exemple, le Saint-Esprit l'a promis. Pour la venue du Saint-Esprit, il a fallu que les frères soient en temps pour qu'ils prient, pour que le Saint-Esprit descende à la Pentecôte 33. Donc c'est vraiment important, c'est même capital pour une œuvre d'organiser des prières d'ensemble. Sinon, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas vraiment se réaliser, se produire. Beaucoup de choses ne peuvent pas venir à l'existence dans la vie des prières, dans la vie des frères, dans la vie de l'Église. L'Église peut être même handicapée par manque de prières d'ensemble. Parce que c'est une loi que le Seigneur même a établie. Par expérience, quand nous sommes bloqués quelque part, que je suis avec mon équipe, quand nous sommes bloqués quelque part, parce que je suis aussi le dirigeant de la jeunesse de l'Église de Kumasi, quand nous sommes bloqués quelque part, nous nous mettons ensemble, même si ce n'est pas toute l'assemblée des jeunes, nous nous mettons ensemble, nous implorons la faveur du Seigneur.
et le Seigneur nous exauce. Quand nous voyons que c'est compliqué et que humainement parlant, après avoir peut-être individuellement prié, nous voyons que c'est difficile, nous mettons ensemble et nous sollicitons la clémence de Dieu. Et Dieu nous a toujours exaucé. Et par expérience, je vois que la prière d'ensemble a une très 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 grande importance. Que ce soit en assemblée, il y a beaucoup de frères qui étaient bloqués par rapport au travail, par rapport au mariage. En assemblée, quand nous avons prié, le Seigneur a exaucé. Beaucoup de frères même étaient en allant à l'école, c'était difficile. Nous avons prié en assemblée, le Seigneur a exaucé. Beaucoup ont eu des emplois, beaucoup se sont mariés, et beaucoup ont eu des situations difficiles, décantées. Même beaucoup sont guéris de beaucoup de maladies. Bon. Par exemple, pour la délivrance, le brisement des liens, si c'est pas en équipe, vous ne pouvez pas être efficace. C'est une forme de prière d'ensemble. C'est en équipe qu'on travaille, c'est en équipe qu'on est efficace. Quand vous délivrez les gens, si ce n'est pas en équipe, c'est toi seul là, ça ne peut pas aller. Mais quand vous êtes en équipe, l'esprit se manifeste de façon puissante parce que vous obéissez à une recommandation du Seigneur. Et en tout cas, vous voyez les résultats. Vous êtes satisfait, le Saint-Esprit est satisfait, Dieu est satisfait, vous-même vous êtes content parce que vous avez travaillé pour le Saint-Esprit. Que ça vous bénisse abondamment. Soyez bénis, je suis le frère Baka Godi Kevin et je suis disciple du pasteur Yapi Roméo de Benjerville. Ce que je peux dire par rapport à la prière d'ensemble, c'est que je l'ai expérimenté pendant le début de ma conversion. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais gravement malade. Et dans mon petit coin, je criais seul au Seigneur, que le Seigneur me guérisse. En ce moment, les médecins me disaient de ne pas jeûner avec les frères, parce que ça pouvait me causer beaucoup de tort. Et c'est comme ça qu'un jour, dans mon esprit, j'ai dit, bon, il faut que je jeûne, et puis il faut que je vienne au renversement des principautés. Et c'est comme ça qu'en 2010, je suis venu au renversement des principautés. C'était au temple ici, et je me suis, pendant la prière avec les frères, je criais à Dieu ensemble, parce qu'il y a un moment où le pasteur disait que d'un commun accord, nous prions pour juger telle maladie. Et après le renversement des principautés, j'ai vu que j'étais complètement délivré, guéri authentiquement. Quelqu'un qui était malade, qui chaque matin prenait des comprimés à jeun, mais quand je suis venu prier avec les frères, et le Seigneur m'a délivré, j'ai été guéri authentiquement. Et c'est pas la seule chose que le Seigneur a fait pour moi. Je me rappelle aussi lors du renversement des principautés 2021. Avec les frères, j'ai crié à Dieu. Pendant que je priais ceux pour avoir même un magasin, je n'ai jamais eu le magasin. Mais j'ai crié à Dieu, le Seigneur m'a béni avec un magasin. Aussi, pendant le renversement des principautés 2023 encore, j'ai crié à Dieu par rapport à... En 2022, par rapport à la conversion de mon papa. Un gars qui aimait beaucoup discuter. Et quand j'ai prié à Dieu avec les frères, il est venu au renversement des principautés pour la première fois. Et là, vraiment, j'ai vu que la prière d'ensemble, là où tu n'arrivais pas à avancer toi seul, quand vous êtes ensemble avec les frères, le Seigneur opère des miracles. Et j'ai tous les frères à venir, à cette nuit de prière même qui a débuté. En tout cas, tu seras béni si tu viens. Amen. Je suis la sœur Kamara Adjara Ruth. Je suis faisant des disciples, le pasteur Ekou Michel. Vraiment, je vais attester que la prière d'équipe est une grande bénédiction parce que je l'ai expérimentée à plusieurs reprises. Il faut dire que dans le jeûne complet de l'année dernière, je n'étais pas dans le jeûne pour plusieurs raisons. Mais quand j'ai participé à la prière, c'était un moment difficile de ma vie. Ma vie spirituelle avait pris un coup. Mais quand j'ai commencé à participer aux nuits de prière, ça m'a accordé un réveil spirituel jusqu'à aujourd'hui. Et encore, il y avait une brebis qui avait rétrogradé. Ça m'avait tellement fait mal. J'avais prié seul pour son retour. Il n'y avait pas de suite. Et quand j'ai partagé à l'assemblée, je partageais dans toutes les rencontres de prière. Et nous nous sommes levés dans la prière. Quand nous avons commencé à crier à Dieu. Et de façon miraculeuse, la brebis est revenue au Seigneur. J'avais juste compris qu'il y avait une puissance dans la prière d'équipe. Donc je vais attester. Et même cette nuit de prière que nous venons de commencer, depuis hier, j'étais là. Et vraiment, ça m'a fait du bien, les prières que nous avons eues ensemble. Et le Seigneur continue de travailler. Donc j'atteste qu'il y a une puissance. Et la Bible même dit qu'il y a la puissance dans le nombre. Il y a ce que tu peux demander seul. Mais quand vous êtes en équipe, les ossements sont encore plus rapides. Donc c'est un peu
ce que je peux dire. C'est un réel privilège pour moi d'avoir l'occasion de partager mon expérience en matière de prière d'ensemble. Pour ma part, quelque chose s'est déclenché. Dès que j'ai commencé à participer de façon permanente aux prières, aux nuits de prière de Maman Colette, j'avais du mal à veiller, j'avais du mal à prier avec les autres parce que je regardais la prière comme quelque chose de personnel. C'est-à-dire, il faut choisir ses propres sujets, il faut avoir ses propres objectifs. La prière, c'est quelque chose de confidentiel et tout. C'est vrai, il y a cette part-là, mais il y a aussi le fait de se prendre à deux, à 3, à 5, à 20, et puis de pouvoir, dans le nombre, devenir plus puissant, de pouvoir aussi apprendre dans la manière de prier de l'autre une façon surnaturelle d'aller au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire dans la prière. Donc quand j'ai commencé à assister aux nuits de prière de Maman Colette, j'ai vu que l'exercice de la prière, c'est un travail qu'il faut faire. Il faut écouter les autres. Il faut écouter l'Esprit de Dieu conduire l'autre à prier et comprendre que tu peux évoluer dans la prière. Par exemple, il y a eu une nuit de prière où une dame a rendu son témoignage où elle se plaignait de ses enfants, que mes enfants me fatiguent. Seigneur, change-les. Et Dieu lui a dit, change ta prière. Demande-moi la capacité de supporter l'attitude de mes enfants. Quand j'ai entendu cela, je dis, mais attends, c'est différent. C'est une manière différente de prier. Et elle, quand elle a prié comme ça, Dieu l'a exaucée. Et c'est quelqu'un qui partageait sa manière de prier et le mouvement a été impulsé à plus d'un passé. Maman Colette même avait pris cet exemple. Elle a dit à tout le monde, vous voyez qu'il y a une manière de prier qui permet à Dieu de t'exaucer. Même Dieu, même dans la prière, te dit, prie de telle manière. Donc la prière d'ensemble, d'abord on est puissant dans le nombre, mais ensuite c'est une école. C'est une école. Pour moi, la prière d'ensemble est une véritable école pour évoluer dans la manière de prier et dans l'exaucement rapide avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous espérons que ces éléments de réponse ont été d'une bénédiction pour vous. À la semaine prochaine.